Mesdames et Messieurs, bonsoir. 9 candidats retenus à l'occasion de l'élection présidentielle qui aura lieu le 7 octobre prochain. C'est désormais une la palissade au Cameroun. Qui sont ces candidats ainsi retenus par Elections Cameroun et l'ECAM? Quelle a été d'ailleurs la posture de ces institutions chargées d'organiser les élections au Cameroun à l'occasion donc de la sélection de ces candidats finalement arrivés qui ont réussi donc à passer leur examen? Eh bien, question à zéro franc également. Le Cameroun a-t-il là les candidats qu'il mérite en matière d'élection présidentielle? Quelle est la candidature qui vous paraît la meilleure parmi dont les 9 retenus ce jour même à Yaoundé? Et puis finalement, y a-t-il possibilité encore pour que l'opposition camerounaise se mette ensemble pour avoir ce qu'il est convenu d'appeler au Cameroun depuis 2004 candidat unique de l'opposition? Et bien finalement, quelle sera et quelle pourrait être la coloration de la campagne électorale au vu donc de ces candidats qui ont été retenus et dont la liste a été rendue publique ce soir, même cette mi-journée, au niveau de Yaoundé, la capitale du Cameroun? Pour en apporter des éclairages en termes de décryptage, nous avons invité sur ce plateau, à l'occasion de cette émission un peu plus spéciale, des experts, notamment des politologues, mais également des questions qui sont expertes en matière de questions électorales. Et pour les présenter immédiatement, je m'en vais commencer par l'un d'eux qui est enseignant à l'université de Yaoundé 2, c'est à soi. Il enseigne la politique à l'université. Docteur Sotoun Efouba, bonsoir. Bonsoir Julien, bonsoir à tout le panel, bonsoir à tous les téléspectateurs du Canal International. Je rappelle donc que vous êtes politologue, enseignant à l'université de Yaoundé 2. Je convoque également Denis Ongba Bomba, qui est avec nous sur ce plateau. Monsieur, bonsoir. Bonsoir Julien Vous êtes Pierre. un analyste connu naturellement des questions politiques sur la place camerounaise, autant que Henri Tupendi, qui a une carrière internationale, j'allais dire fournie et garnie, qui est également avec nous sur ce plateau. Henri Tupendi, bonsoir. Bonsoir Julien. Expert des questions international, de politique internationale, on va le dire ainsi. Alors, je voudrais, parce que nous n'avons que 52 minutes à passer ensemble pour décrypter, on va le dire de façon linéaire, tout ce qui tourne autour de ces élections qui ont été opérées par Elections Cameroun. Je voudrais avec vous qu'on tire la première leçon. Si on était, vous étiez du côté de l'ECAM, on se dirait, l'ECAM ne s'est pas exposé. En tout cas, la sélection s'est opérée dans les règles de l'art. Oui, naturellement, parce que je disais il y a quelques jours à l'un de vos confrères qui m'avait tendu le micro qu'il y a un proverbe judéo-chrétien qui dit qu'il n'est pas permis à tout le monde d'aller à Corinthe. Donc, effectivement, ils étaient plus de 20 au départ et ils sont 9 à l'arrivée. Ça veut dire que, effectivement, Elekama a fait un travail assez fourni que nous pouvons féliciter parce que, quelque part, c'était déjà assez costaud, hein, le nombre. Denis Ongba, l'ECAM, en ses débuts de processus, se protège. Elekam se protège. Vous savez que Elekam vient de connaître une mutation au sommet, notamment au niveau de la direction générale. Et donc, Elekam avait la responsabilité de réussir ce cap. La dernière élection en 2011 avait un nombre très important de candidats. Le code électoral a été toiletté entre-temps. Et donc, il y a eu beaucoup de plus d'une vingtaine de candidats qui ont déposé leur dossier. Je crois que je suis d'accord avec Monsieur Tupendi. L'ECAM a fait son travail dans les règles de l'art. Vous avez vu que un peu plus de la moitié des dossiers déposés ont été rejetés. Et sous réserve de ce que dira le Conseil constitutionnel, on peut, vu de l'extérieur, observer que on y reviendra peut-être tout à l'heure. Il y a des candidats qu'on peut qualifier de traditionnels au niveau de l'élection présidentielle au Cameroun, Monsieur Paul Biya, Monsieur Adamu Damdjoya et les autres. Donc, il y a manifestement là des gens qui ont, on va le dire, un parcours politique relativement connu. Évidemment, il y a de nouveaux, mais je crois que dans On le, reviendra à cela on tout à l'heure. reviendra peut-être. Alors, docteur Sesson Fouda, le Bonsoir. politologue, je vous en prie, Efouba, le politologue que vous êtes, est-ce qu'on peut se dire que il y a quand même des constats à faire? Il y a des personnes et des personnalités qui ont fait acte de candidature sans avoir respecté toutes les conditionnalités qui sont prévues à cet effet. Est-ce que pour améliorer le travail de l'ECAMPA dans l'avenir, il ne faut pas revenir sur le texte, je veux dire, sur la loi électorale, pour que, à l'entrée des dossiers, qu'il n'y ait plus de candidatures farfelues, on va le dire ainsi, qui ne respectent pas le paiement du cautionnement, mais également un certain nombre de conditionnalités. Non, vous savez que Julien, la loi est claire. La loi a un caractère général et impersonnel. Elle s'applique à tout le monde, erga omnes. Je pense que les conditions sont connues d'avance. Et voyez-vous, les gens qui ont été, que les candidatures ont été retenues, sont d'abord des anciens. Et puis, il y a ceux qui connaissent vraiment le droit.
Cabral Libre avait un couvent d'or, tout le reste. Donc je pense que ceux qui ont été rejetés, c'était les aventuriers. Certains n'ont pas pu payer la caution, d'autres ne remplissent pas d'autres critères avec la candidature unique, parce que vous savez que la candidature unique doit recueillir un certain nombre de signatures. Donc je pense que Elie Kama fait son travail, mais qui n'est pas parfait, parce que... Sur le plan politique, comment analyser ça? Qu'on aille à l'aventure, qu'on aille faire acte de candidature sans avoir réuni toutes les conditions requises à cet effet? Non, sur le plan politique, il y a deux dimensions. Il y a la dimension de... des gens qui veulent s'affirmer, qui veulent affirmer leur leadership, qui veulent entrer dans l'histoire, même si toutes les conditions sont remplies. L'essentiel est qu'on dise que je suis candidat aux élections présidentielles, au moins pour sa famille, pour son village et pour ses fans. Donc je pense que cela, ils savaient d'avance, de manière a priori, que la candidature serait rejetée. Bon, il y a d'autres qui n'avaient pas l'expérience, qui n'avaient pas la bonne connaissance de la conscience du dossier et comment ça marche. Il aurait fallu avoir peut-être invité un cabinet d'experts ou alors les spécialistes pour conduire à bien faire élaborer le dossier. Il y a aussi d'autres qui, vraiment, comme l'UPC parolé, où les partis, tous les mouvements de l'UPC avaient dit que nous sommes plus, nous allons soutenir le parti au pouvoir, mais la candidature a quand même prospéré. Donc il y avait, cette candidature ne pouvait pas aller jusqu'au bout. Donc je pense qu'il y a eu des incohérences, il y a eu un déficit sur le plan de la connaissance de la loi, et puis le travail de l'ECAM va s'adosser sur le Conseil constitutionnel, qui est la norme de l'homme, qui est capable de la, qui va juger la régularité de la loi, de la constitutionnalité de la loi à la Constitution. Donc je pense que tout n'est pas perdu pour les autres, on attend pour les recours qui vont venir. Qui éventuellement vont arriver. Henri Tupendi, alors, la question elle est globale, est-ce que après avoir dépouillé, on est parti d'une trentaine de candidatures à la candidature, une trentaine de candidats à la candidature, à seulement une dizaine, 9 au total. Est-ce qu'on peut se dire que le Cameroun a là, par rapport à l'élection présidentielle du 7 octobre prochain, que le Cameroun a les candidats qu'il mérite? C'est une question un peu compliquée. Il est difficile de dire que le Cameroun a des candidats qu'il mérite, mais il faut toujours dire également qu'un peuple n'a que les candidats qu'il mérite. Et puisque ces candidats sont issus de ce peuple. Qu'à cela ne tienne, on peut remarquer que parmi les 9, comme disait le professeur, il y a des nouveaux et qu'il y a des anciens, des gens qui sont habitués à la candidature, dont notamment le président Biya, Adamu Ndamjoya, quelque part Garga Aman Alji. Et que les autres qui sont nouveaux vont faire l'expérience de la candidature présidentielle. Rentrons-y à propos de ces candidats retenus. Je voudrais qu'on commence par le SDF, le Social Democratic Front, dont le candidat cette année est M. Joshua aussi. Alors, si le SDF a un poids avéré en vertu de son expérience dans les joutes électorales, est-ce que vous avez l'impression que M. Joshua aussi, qui a été retenu à l'occasion, doit faire lui montre de ses capacités, on va dire, intrinsèques? Oui, je crois que c'est une aventure suffisamment costaude pour aussi. Et déjà, il succède à quelqu'un de très charismatique qui a bâti le SDF, qui a eu une certaine célébrité nationale, l'homme du pouvoir, le power to the people. Et je peux vous dire que dans une conversation téléphonique avec une de mes tantes qui était au champ, il a demandé si Power n'est plus candidat. J'ai dit oui, parce que sa main levée de tous les temps là avait beaucoup marqué des populations. Changement de paradigme. Voilà. Au et aujourd'hui, il est remplacé par un jeune technocrate qui n'est pas populiste et qui n'a pas quelque part le style poujadiste de Frundi. Et qui a même de la peine à commencer parce que je ne l'ai pas beaucoup senti par rapport à Maurice Kamto. On reviendra là-dessus. On va parcourir évidemment les candidatures. Ce qui veut dire que la succession de Frundi est un fardeau qu'il va essayer de porter. Avant vous, Denis Ongba, je repasse la parole au docteur Sosten Efouba, politologue à l'Université de Yaoundé 2. Est-ce que l'urgence pour Joshua aussi, c'est se détacher de Nitton Fundi, question d'observer une espèce de rupture avec les logiques du père fondateur du Social Democratic Front. Oui, je pense que la discontinuité, la rupture était normale et indiquée, mais je pense qu'il a pris un peu de retard.
par rapport à l'héritage politique du charismatique John Fundi. Ouais, quand il levait la main, c'est monsieur qui a rangé la foule, qui avait une chaleur particulière et qui était connu et qui a fait quand même l'unanimité en termes de l'opposition parce que le SDF reste le parti, le principal parti de l'opposition. Donc, je suis aussi, peut-être, il a été choyé par sa maman, par ses parents. Peut-être il n'est pas trop engagé sur le champ politique parce que, voyez-vous, il reste sous l'ombre. On a l'impression qu'il reste sous l'ombre de John Fundi parce qu'on cherche les repères, on ne trouve pas en dehors de la querelle engagée entre guillemets, entre le procès Kamto. Il n'a pas de fait d'armes au plan de l'engagement politique, ou bien au plan même d'aller sur le terrain, ou alors au plan d'haranguer les foules. Vous savez que remplacer John Fundi, c'est quand même un monument. C'est plus de 25 ans sur la scène politique. Donc je pense que Dieu soit sur doit travailler dur pour arriver à la hauteur, sinon dépasser la carrure, l'aura de John Fundi, ce qui n'est pas encore fait jusqu'à présent, et il se fait vraiment tard. Et le temps est très court par rapport à lui. Denis Yongba, tout le monde convient à dire que la nouveauté, c'est seulement à 30% par rapport aux habitués de cette compétition politique. Le cas Joshua, on doit ou pas fonder tous les espoirs qu'on aurait dû fonder si ça avait été ni John Fundy. Je crois que tout le monde avait bien vu l'idée de ce passage de témoin entre le très charismatique Fundi et Joshua aussi. On avait pensé effectivement qu'au niveau de l'établissement des partis politiques, qu'on va qualifier d'anciens, il était peut-être venu le temps de voir cette transition-là s'opérer. Mais vous le savez, dans notre contexte politique, parfois les partis politiques s'incarnent à leur leader. Et leur leader ont une certaine philosophie, une certaine façon de les gérer, de les gouverner. Et on peut donc comprendre la difficulté que M. Joshua aussi a aujourd'hui à faire basculer, à faire bouger les lignes. D'abord au sein même du parti. Vous le savez, son élection n'a pas été tout à fait facile. Il y a eu des barons du régime qui ont voulu à un moment Les donné barons du régime succéder. du SDF. Je veux parler du SDF, évidemment, qui ont voulu porter, n'est-ce pas, ce parti-là. Lui, il est jeune, c'est un jeune technocrate qui a une autre vision du parti, qui peut être un peu à l'opposé de ce qu'on a connu par le passé. Et on a bien vu qu'il a du mal à démarrer, il a du mal à trouver, je veux dire, une façon d'être différent de ce qu'on connaît de ce parti. Et ça lui pose problème. Je crois quand même que du point de vue du symbolisme, du point de vue du changement, Joshua aussi représente quelque chose de nouveau. On ne l'a pas encore entendu du point de vue de son programme, du point de vue de son projet. Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va apporter? Comment compte-t-il rester dans le SDF sans être dans le SDF en termes de nouveautés, en termes d'apport? Je crois que cet embarras-là est là. Comment est-ce que la machine du SDF elle-même va se déployer pour accompagner Joshua? Si je crois que ce sont ces grandes Tout interrogations à fait, auxquelles il qui devra demeurent apporter des posées. réponses, hein, Tout à fait. notamment lorsque la campagne électorale sera très bientôt lancée. Nous serons alors dans la deuxième ou la troisième semaine du mois de septembre prochain. Je voudrais qu'on en vienne maintenant à l'UDC. C'est à exprès que je vous passe la parole pour parler de l'Union démocratique du Cameroun. Le docteur Adamu Ndandouya sera de nouveau candidat. Est-ce que vous avez l'impression que les aspirations stratégiques de cette formation politique doivent davantage être nationales? C'est l'un des reproches qu'on lui fait assez souvent. Je pense que Adamu Ndandouya a dû vivre de très grandes souffrances parce que sa candidature est comme une candidature de résignation. Je m'explique. Face à lui, deux termes de l'alternative. Ne pas être candidat, il n'avait pas préparé quelqu'un comme Frundi l'a fait avec aussi les bandes, puisque vous savez qu'il y a eu des primaires à l'intérieur du SIF. Mais au niveau de l'UDC, en dehors de Adamu Ndandouya, on ne connaît personne, même dans son fief politique. Donc, au cas où il n'est pas candidat, il devrait appeler au soutien d'un autre. Le soutien de Paul Biya, il a combattu Paul Biya. C'est la région qui a le plus combattu Paul Biya pendant les 28 ans. Vous C'est-à-dire dites jamais la Biya n'a région ou gagné. le département? Je veux dire son fief, quoi. Je ne dirais pas le département, je dirais particulièrement son fief. Pendant 28 ans, Biya n'a pas gagné d'élection Dans le dans Nord. son fief. Bon, parce qu'il y a quand même le RDP, ça a pris quelques arrondissements en termes de députés. Donc, faire un appel en faveur de Biya pouvait être une très grosse trahison. Ne pas faire un appel et le faire du côté du MRC ou d'Ossi, ça pouvait lui créer d'énormes problèmes dans son fief. Donc, au total, il a mis la candidature
et ça calme la situation. Les gens l'attendaient au tournant. Il s'est sauvé, il a été assez intelligent. Alors, le docteur Adamu Namjoa est donc dans du classique, docteur Sosten Efouba. Non, je ne pense pas qu'il ne voulait pas être candidat. Parce que contrairement à ce dit l'aîné, je pense qu'il y a quand même sa femme, son épouse, qui a les copies d'Adamou. Il y a tout un directoire au sein de l'UDC. Donc je pense qu'il aurait pu trouver une candidature. C'est quelqu'un qui a une relation intime avec le pouvoir. C'est des pouvoiristes qui ne veulent pas lâcher le pouvoir. Et ce qui est un peu regrettable, c'est qu'il n'a pas formé des gens pour peut-être le remplacer dans l'avenir. C'est ce que je voulais dire. Il a laissé... Mais est-ce que vous ne dites pas une chose au contraire? Vous évoquez le cas du docteur Tomano, je veux dire de l'honorable Tomano Namjoa, qui est député UDC à l'Assemblée nationale. Vous évoquez le cas de Koupi Kadamou et vous dites qu'il n'a préparé personne. Oui, il aurait pu. Il n'a préparé personne puisqu'il n'a pas posé personne. C'est quand même des années, une élection présidentielle. Vous voyez que les autres sont en train de prendre l'ange. Je pense qu'il aurait pu passer la main en tant qu'intellectuel chevronné, en tant que quelqu'un qui a marqué la scène politique, qui a été ministre, qui a fait beaucoup de choses. Il aurait pu passer la main. Donc je pense que c'était un jeu en disant qu'il ne sera pas candidat. Finalement, il a été candidat parce que quand on est candidat, on espère gagner. Mais si on est candidat pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, on ne gagne pas, on peut quand même tenter d'autres espérances. Donc je pense que le docteur Adamu Namjoa n'a pas voulu ou n'a pas formé quelqu'un pour le remplacer. Et je pense que l'UDC va continuer avec lui en tant que maire, en tant que président national, en tant que candidat aux élections présidentielles. Il y a également un candidat qui a été retenu à l'occasion de ces résultats qui ont été rendus publics par Elections Cameroun ce jour même à Yaoundé. C'est le président national du mouvement citoyen national camerounais. Monsieur, vous le connaissez, vous semblez être proche de lui. Monsieur, vous parlez du pasteur, le monsieur Franklin Dufort. Je pense que sa candidature a été retenue. C'est un pasteur, un jeune pasteur. Je pense que lui, un jeune pasteur de 38 ans qui gère une église, l'église Kinichem International Ministry, et qui pense que il n'y a pas d'intégrité au Cameroun, il n'y a pas d'honnêteté, et qu'avec l'éthique chrétienne, l'église, il peut apporter quand même des solutions au problème des Camerounais. Voyez-vous, il dit, le problème des Camerounais, c'est les hommes. Parce que les hommes ne sont pas intègres, ne sont pas patriotes, ne sont pas honnêtes, ils ne sont pas sincères dans la gestion des projets, dans la gestion des politiques publiques, dans la gestion de l'intérêt général. Avec la culture chrétienne, avec l'évangile, ils pensent qu'ils peuvent apporter un plus en mettant un peu de... Vous déroulez un peu son programme politique, son projet de société. Pas son projet, l'éthique par rapport à ce qu'il soit pasteur et tout. Mais ce sera-t-il suffisant? On verra en détail. Non, je voudrais dire que c'est les inconnus sont les... Il y a un baillement dessus, là, les gars. Je veux dire que ce sont les grands inconnus des neufs. C'est comme il le dit un pasteur qui n'a pas une trajectoire politique connue, qui n'a pas un certain vécu et qui a été retenu, je crois, pour certainement la qualité de son dossier. Il a certainement dû prendre toutes les mesures pour que son dossier soit retenu. Mais ce sont des figures qui sont, comme je l'ai dit, inconnues de la scène politique. Et donc, on attend de voir ce qu'il va proposer. Mais c'est vrai qu'en raisonnant à son type de discours. Il y a eu des candidats par le passé, notamment à l'élection de 2011, qui ont apporté ce type de philosophie. Je crois qu'on parlait du foyisme à l'époque. Olivier Billet. Olivier Billet, pour ne pas le nommer. Qui a été recalé cette fois. Pour un motif qu'on ignore. Pour un motif qu'on ignore. Il n'a pas eu 30 millions. Continuons à espérer que cette philosophie puisse prospérer dans la sphère politique à venir. Henri Tupendi, venons au cas Maître Akere Mouna. On se dit qu'il peut capitaliser sur la crise anglophone parce qu'originaire de l'une de ces deux régions du Cameroun, emploie à ses affres de sécessionnistes et terroristes du côté du nord-ouest et du sud-ouest camerounais. Est-ce que maintenant que sa candidature a été retenue, son nom peut le gêner par la suite? Non. Ils sont trois qui discutent un même fief, hein, ou quatre. Il y a... Akere Mouna, il y a aussi, il y a Kamto et il y a Ndamjoya. Leur fief, c'est d'abord un peu l'ouest et le nord-ouest. Le SDF est né au nord-ouest. Et déjà, la désignation d'un candidat du sud-ouest a été ressentie avec une certaine douleur chez certains caciques du SDF qui ont estimé que ce n'était pas normal que la paternité du SDF lui soit arrachée. Donc aussi au niveau du nord-ouest et du sud-ouest, ça a d'abord Akere Mouna comme adversaire, puisque les élections sont souvent très régionales chez nous. Et en même temps, aussi compter beaucoup sur l'ouest. Si vous voyez bien, c'est à Bouda que
le patron du SDF, Nijan Fondi. Nijan Fondi, l'a présenté. Et après, il y a eu un deuxième grand meeting qu'il devait tenir à Bouda et qui a eu une friction avec le meeting du RDPC, dont les autorités administratives à Bouda ont souffert beaucoup pour séparer les deux. Donc, ce qui veut dire que Akeremouna, dans le nord-ouest, n'est pas SDF. Et aussi dans le sud-ouest, est SDF du nord-ouest et de l'ouest. Ce qui veut dire que l'ouest ayant encore ce Adamou Damjoya qui va encore grignoter les voix de l'ouest, il y a donc des candidatures de clivage qui risquent de créer beaucoup de problèmes à l'ouest, dont la candidature de Ossi et de Kamto particulièrement, puisque pratiquement le Noun, je crois qu'ils l'ont perdu avec l'éternel candidat Adamou Damjoya qui fait ses 1 ou 3% essentiellement dans le Noun. Dans ce sens, il faut pas. Est-ce que au rang des préoccupations du candidat Akeremouna, il n'y aura pas ce conflit entre guillemets entre les classes privilégiées aristocratiques originaires de ces deux régions du Cameroun, le sud-ouest et le nord-ouest camerounais, et ce que je vais appeler les prolétaires? Oui, je pense qu'il y a ce problème que vous posez, c'est très pertinent. Il y a la classe élitiste, puisque quand on voit ce qu'on appelle en sens politique la parentologie du pouvoir, c'est-à-dire le cordon ombilical qui lie le père et le fils au petit-fils. Donc il y a cet héritage qu'il faut assumer. Et puis il y a l'héritage papa qu'il faut assumer. Il y a des conflits, entre guillemets, de la famille Mouna, qui n'est pas une belle image auprès de l'opinion à la veille des élections. Et puis il y a le fait que Mouna a travaillé à l'étranger, il a été partout, avocat international et tout, et que au niveau du fief local, il n'y a pas une assise locale. Parce que le parti, hein, comme le dit Joseph Palombara, doit avoir une assise locale, une assise nationale, une assise locale. Or, son parti, parce qu'il allait de parti en parti, donc il n'a pas construit un véritable choc politique. Il se basait sur sa carrière professionnelle, sur le passé de ses parents et puis sur les succès qu'il a eu à la Cour internationale. Donc je pense qu'il sera difficile pour lui de capitaliser, de mobiliser des éléments positifs lui permettant d'être crédible auprès de l'opinion et de pouvoir séparer l'héritage de son père, sa sœur, les procès au tribunal et puis tout ce qu'on dit de lui. Et puis l'opinion pense mal, comme dit Bachila, traduit les besoins en connaissance. Le fait qu'il a côtoyé un peu le gouvernement, cela n'arrange pas toujours les choses. Je voudrais dire qu'effectivement, monsieur Akeremouna est un candidat polémiste. Il est polémiste par la nature de ses origines. Il attire la polémique par le discours. Il attire la polémique par les nombreux problèmes qu'il traîne autour de lui. Et je suis d'accord avec le docteur quand il convoque son bastion politique. On a du mal à situer politiquement la candidature d'Akeremouna. On a pensé à un moment donné qu'il aurait pu capitaliser autour de la crise anglophone, mais on n'a pas vu en termes de proposition, en termes de présence, en termes d'accompagnement, même au-delà des discours que la plupart des acteurs politiques ont pu avoir, ce qu'il a fait concrètement. Donc on est là face à un candidat qui a certains CV à l'international qui impressionne, qui a travaillé dans beaucoup d'institutions, notamment Transparency International et tout le reste, mais qui politiquement pose un certain problème, qui a été très proche du régime qui est en place. Je veux parler de l'un de son challenger, monsieur Biya, pour lequel il a servi pendant longtemps. Et donc, les gens ont du mal à voir le détachement objectif qu'il peut avoir par rapport à son discours aujourd'hui. Et on a évoqué les problèmes de famille. Il faut signaler quand même que ces problèmes-là l'opposent à sa sœur, qui a été non moins ministre de la Culture et actuellement à la Commission du bilinguisme et qui est à l'intérieur même du RDPC. Donc, ça sonne un peu faux. On voit comment ces choses-là empoisonnent sa campagne. Mais on a du mal à voir aussi, comme monsieur aussi, comment il décolle objectivement. Peut-être que son projet de société, qui dévoilera peut-être dans les prochains jours, nous permettra de voir effectivement comment il se positionne. Mais sa candidature en soi est déjà une candidature assez polémique. On peut se dire que des accords, entre guillemets, qui auraient été passés entre les deux régions dites anglophones, le sud-ouest et le nord-ouest camerounais, sont également une patate chaude entre ce candidat ainsi retenu par le Conseil électoral de l'Élections Cameroun. En principe, pour suivre ce qu'il vient de dire, aussi Akeremouna
sont en difficulté. Parce que, d'abord, dans l'ensemble, ils ne sont pas tellement vus comme des défenseurs des deux régions. Parce qu'actuellement, le problème qui se pose là-bas par rapport à ceux qui dérangent le Cameroun, c'est est-ce que aussi est capable de donner suite à leur doléance. Est-ce que Akeremouna est capable? Donc, ils ont déjà cette énorme difficulté. Je ne sais pas quelle campagne ils mèneront là-bas. Et maintenant, quand on revient vers l'Ouest, comme je le disais, aussi a un caillou dans la chaussure, c'est Kamto. Et vous savez, Kamto va être un candidat de clivage à l'Ouest. Parce que l'élite de l'Ouest est très RDPC. Et il sort maintenant comme un rebelle. Ça va être un gros problème parce que vous avez au niveau de l'élite la deuxième personnalité de la République sur le plan constitutionnel qui est de l'Ouest, la deuxième personnalité politique au niveau du parti qui est au pouvoir qui est de l'Ouest, à moins que Kamto soit maintenant la cerise sur le gâteau qui prendra donc le sommet, il faut d'abord déboulonner ces deux qui vont mener un combat de titans dans la région. Et quand vous avez vu, par exemple, lors de la collecte d'argent pour apporter le soutien, le plan d'urgence au nord-ouest, vous avez vu deux ressortissants de l'ouest ont mis 100 millions chacun. C'est un message très, très expressif par rapport à ceux qui soutiennent le régime. Donc, il y a déjà ce combat qui va être très, très rude à l'Ouest, entre Kamto, l'élite de l'Ouest, et le bas peuple de l'Ouest, qui naturellement risque de lui donner le suffrage. Et c'est ça qui fait que aussi aura trop de difficultés à en avoir aussi dans cette région-là. Donc, c'est des élections qui seront très intéressantes au résultat. En commençant par la campagne électorale. Voilà, en commençant par la campagne, parce que je vais vivre à l'Ouest, ça va être extraordinaire que les deux bourreaux politiques de l'Ouest, ajoutés au délégué régional qui est le sultan roi des Bamoun, doivent mener une campagne pour déboulonner Kamto dans la région. Ça va être quelque chose de très intéressant. Docteur, c'est un de Fouba, puisque Henri Tupendi parlait tout à l'heure de Maurice Kamto. On a l'impression que ce candidat, c'est un peu la résultante de celui qui a disséminé le mieux son idéologie sur le terrain. Oui, je pense que professeur Kamto sera bon, un intellectuel iconoclaste. Donc je pense qu'il a bénéficié de son expérience professionnelle en tant que ministre, en tant que ancien dans les amphis de sa popularité. Et puis les gens n'ont pas peut-être su saisir ou appréhender son changement de l'homme académique à l'homme politique. Et il est allé sur le terrain et il fait de village en village. Je pense que c'est bien pour lui, mais il faut quand même dire qu'il est difficile hein, de nos jours d'avoir un chef d'État qui est agrégé, même si on a des docteurs en Centrafrique et tout. Vous avez vu avec Vincent Peillon en France, ce n'est pas toujours très facile parce que la popularité des amphis n'est pas forcément la popularité des citoyens parce que le professeur Kamto est un homme réservé qui parfois a peur de prendre le risque. Vous savez que quand vous êtes politicien, même le président de la République, on vous insulte, on vous dit n'importe quoi parce que vous représentez le peuple. On peut vous lancer les bananes. On a vu en France avec les présidents français. Donc, je pense qu'il est sous la réserve, mais il se bat quand même pour aller sur le terrain. Et puis, il n'a pas cette chaleur communicationnelle qu'a John Fundi, où il lui manque les petites phrases, c'est-à-dire pour attirer, pour haranguer les foules. Ouais. Parce que la politique politicienne, c'est un art. Il n'est pas politique. Ce n'est pas l'intellectuel, ce n'est pas l'agrégé, ce n'est pas les livres que vous avez écrits, ce n'est pas un coup de droit. Mais là, c'est une communication, c'est une communion avec le peuple. Or, pour communier avec le peuple, il faut avoir des artifices, parce qu'il y a tout un marketing politique. Voyez-vous, quand le président français a raté les élections deux fois, sa fille a dit que, papa, mais tu auras les élections, il faut changer ton look, il faut changer ton discours. C'est ce qu'on appelle les liturgies politiques en sens politique. Voyez-vous, on dit le renouveau, ou si vous le dites dans la radio, l'homme lion, les grandes ambitions, les grands chantiers. Dans l'univers mental, ça reste dans les villages. Mais si vous ne construisez pas cet univers, ou bien le défilé, c'est quoi? C'est un rite politique où vous faites allégeance au régime. Donc, il y a des artifices qu'il faut construire pour être un homme politique séduisant qui attire l'électeur. C'est pas un homme intellectuel qui
fermé dans sa boîte. Non, je pense que le professeur Kamtour doit encore apprendre en ce qui concerne la politique politicienne. Gérer le compte, lui, c'est un homme rigoureux. Il peut gérer le Cameroun. Je voudrais ajouter en un mot, dire que la candidature de Kamto pose aussi deux problèmes, en tout cas qui sont évoqués dans les réseaux sociaux. Il y a, au-delà de la proximité, vous savez que le ministre Kamto a été ministre délégué. Il y a toujours, d'ailleurs, l'un des candidats retenus a fait publier un texte pour signaler qu'il n'était pas lui capable de défendre ou alors de contredire un homme qui l'a servi à son temps et pour lequel il a participé à la rédaction d'un certain nombre de textes de loi. Il y a ce côté-là et il y a la montée d'un radicalisme au niveau du ton, notamment un certain tribalisme ourdi par une certaine France, je veux l'appeler la France dure de son parti, et qui envenime, n'est-ce pas, et qui tribalise même le débat politique. Ce type de positionnement, je ne sais pas si c'est voulu par son parti, mais ça donne l'impression évidemment que ce parti a un cocon tribal précis et que c'est une chasse gardée d'une certaine ère culturelle. Et je souscris donc à l'analyse de Linné tout à l'heure, qui disait que finalement, le MRC, s'il n'y prend garde au-delà des descentes sur le terrain, qui dans des bastions qui sont connus comme les bastions du RDPC, je veux parler du Septentrion où il était récemment, risque de se réduire, n'est-ce pas, à ce concours tribal-là où effectivement la bataille va être rude entre les avantage autres, pour avantage, on estime que le professeur, qui vont dans le cette professeur Maurice Kamto peut évidemment faire du Cameroun s'il est élu à l'image de ce qu'il a fait d'ailleurs de sa carrière avec cette rigueur universitaire d'enseignant d'université. Un mot sur Gaga Manadji. Est-ce que lui, c'est le pion c'est le candidat qui sera le pion du RDPC par rapport à l'avis de l'opposition dans cette élection? Oui, ben, qu'est-ce que vous fait dire ça? C'est une question que je vous pose. Bon, moi, je pense pas. C'est quelqu'un qui aime la politique, c'est quelqu'un qui aime être populaire, qui aime avoir un nom. Il était chasseur de baleines, c'est resté. Comme le professeur disait tout à l'heure, il faut avoir une étiquette sur la scène politique, parce que Frundi, c'était power to the people. Quand Dame était ministre, c'était la nouvelle éthique. Jean-Jacques Kini, c'était le chasseur. C'était le chasseur de lions. Donc, aujourd'hui, Garga, il le fait. Nous allons voir s'il tiendra jusqu'au bout, parce que sachez que le vendredi, dernier jour de la campagne, il y a des désistements en faveur de... Nous ne savons pas, parmi les neuf, ceux qui ce vendredi-là vont dire à l'heure... Tout à fait. On parlera de la candidature unique tout à l'heure de l'opposition. Je voudrais qu'on aborde le cas, le duo, manifestement, qui se rapproche pour un certain nombre de raisons. Cabral Libi et Serge Espoir Matomba, l'un a 38 ans et l'autre un peu plus que cela. On parle du miracle français pour ces deux personnalités-là, dont les candidatures ont été retenues. Le professeur Sosten Fouda et Fouba, la parole là-dessus. Quels espoirs faut-il nourrir en ces deux personnalités? Je pense que, malheureusement, on aura deux niveaux. Le premier niveau est positif et le deuxième niveau sera négatif. Je pense que c'est la jeunesse. La jeunesse, parce que le président Macron a 39 ans, 40 ans, c'est l'espoir. Voyez-vous, parce que le régime actuel, comme dit, entre guillemets, il y a eu, c'est perpétué dans le temps, plus de 30 ans. Et il y a un réel besoin de rajeunissement du personnel politique et de changement. Même si les populations ne peuvent pas le dire de manière ostentatoire, mais on se rend compte quand même que chaque société a besoin de changement. Vous avez vu le 68 en France, la révolution bolchevique en 1919, la révolution chinoise. Donc, pas une révolution violente, mais même auprès des unes, dont les gens ont besoin. Or, Cabral Libi, Espoir Matomba incarne donc ce changement et cette révolution que les gens entendent. C'est pour ça que leurs candidatures sont d'abord très populaires dans les réseaux sociaux. Je pense que c'est avec les réseaux sociaux, ce qu'ils ont déjà gagné les élections. Mais pour parler d'Espoir Matomba avant de revenir sur Cabral, je pense que quelqu'un, c'est un chef d'entreprise qui a plus d'entreprises, qui a réussi dans le management des entreprises, qui a géré, qui a su construire sa vie, sa carrière. Mais je pense que il ne s'est pas entouré vraiment des spécialistes de sens politique pour construire une véritable idéologie. Une idéologie qui pourra lui permettre d'exercer la fonction tribunicienne telle que définie par Lavaux, où le parti politique est la voix des sans-voix, porte les problèmes des Camerounais pour les résoudre. Je pense qu'il est resté dans beaucoup plus la conscience du marketing, du lobby, où il est toujours sur les photos, il est toujours devant tout le monde. Or, le parti politique, c'est tout un appareil qui doit avoir une assise nationale.
dont les fondateurs doivent vivre le plus longtemps possible, et qu'il faut qu'il y ait un accord entre l'échelon national et l'échelon local. Je pense que tous ces éléments ne sont pas respectés, mais lui, il est fier parce qu'il est jeune, il est fou. Quand je reviens sur Cabral Libi, vous savez que c'est le candidat de la jeunesse, c'est l'ancien de Yaoundé 2, c'est l'étudiant, c'est parfois le pasteur entre guillemets. C'est celui qui parle bien, qui a un orateur bien rimé. Mais ce que les gens disent de lui, c'est que on ne lui connaît pas une expérience politique parce qu'il n'a pas eu un mandat politique, il n'a jamais été conseiller ou député, ça c'est des faits. Il n'a jamais eu un poste ministériel, ça dit, il n'a pas été directeur. Il est à Yaoundé 2, ancien, mais il n'a pas cette expérience professionnelle. Donc, quelque part, il y a un côté obscur de sa vie, malgré tout ce que les Camerounais lui donnent. On se demande finalement, Qui est-il vraiment? est-il marié? A-t-il des enfants? A-t-il une maison? A-t-il travaillé pour l'État? A-t-il, à un certain moment, côtoyé le régime? Qu'est-ce qu'il a? Donc, je pense qu'il a un côté obscur qui lui-même doit clarifier, puisqu'il lui dit souvent sans se voir soi. Lui-même doit clarifier ce côté obscur. Sinon, c'est un candidat que les gens aiment beaucoup, mais qui aura quand même en face de lui des gens qui ont beaucoup d'expérience, qui ont accumulé des années d'expérience. Et vous savez, comme dit Michel Aubry, dans la politique politicienne, tous les coups sont permis. Tout à fait. Denis Ongba, bon, bah, je ne vais pas vous permettre de parler de Cabral Libi, mais plutôt du candidat Biya, qui est dans le premier déclaré admis pour compétir à l'occasion de cette élection présidentielle du 7 octobre prochain. Alors, l'actualité ambiante, l'actualité politique, l'actualité économique, l'actualité sociale, l'actualité sportive même, est-ce que tout cela est même sécuritaire, ne milite pas en faveur de la candidature de M. Biya? Tout à fait, je crois que si vous suivez l'actualité, si vous lisez la presse, on peut même simplement conclure que l'élection du 7 octobre prochain, on connaît déjà qui est le gagnant. Il y a comme un chorus autour de la personne du candidat Biya, autour à la fois de ce qu'on appelle l'expérience, de ce qu'on appelle la conduite des projets qu'il a engagés autour de l'installation de son parti politique, de la puissance de sa machine, de sa très bonne connaissance du terrain, de sa très bonne connaissance de l'international. Vous savez qu'une élection présidentielle, c'est également tous ces enjeux-là. Mais c'est aussi un candidat qui a beaucoup de faiblesses. Ses faiblesses sont son bilan. Son bilan qui est relativement bon. Son bilan, c'est également les questions sécuritaires qui sont relativement apaisées. Son bilan, c'est également cette montée en puissance de cette jeunesse-là. Parce que lorsque vous voyez, vous m'avez dit de ne pas parler de Cabral, mais je ne peux ne pas parler de Cabral, qui est, on le sent, l'émanation d'une jeunesse qui parle, qui dit des choses, qui veut une alternance. Et qui Qui a peut cotisé pousser, d'ailleurs qui à a l'occasion du cotisé, qui pousse financement. un candidat jusqu'à la candidature. Donc, ce sont des éléments qui vont être des éléments que le président Biya doit prendre en compte. Heureusement, vous avez bien vu que dès sa déclaration de candidature, il est allé sur Twitter comme pour donner un signal qu'il comprend bien que au cours de cette présidentielle, ses principaux adversaires ou alors le challenge qu'il doit gagner, c'est la jeunesse, cette jeunesse-là qui parle et qui sera portée par Cabral Libi. Donc je crois que on peut épiloguer sur M. Biya, il a 36 ans d'expérience. C'est vraiment le poids lourd de cette élection, c'est celui contre lequel les 8 autres doivent compétir. Il bénéficie, il est crédité d'un CV bien lourd. Mais je crois que c'est une élection présidentielle qui est ouverte. C'est une élection où on sent bien effectivement qu'il y a, je crois, en tout cas, je crois intimement qu'il y aura un message fort. Je crois intimement que les Camerounais ne nous ont pas tout dit, qu'en tout cas, le 7 octobre prochain, il y aura certainement une surprise qui proviendra des urnes. Avant la question que je vais adresser à Henri Tupendi tout à l'heure, docteur Sosthène Efouba, est-ce que on peut se dire que Paul Biya a assisté à tous les accords, c'est le créateur de toutes les créatures, et que cette élection pourrait lui permettre, en cas de réélection, de construire un nouveau personnage en termes de transition avec tout ce qu'il aura à construire, à tuer et à faire naître pour céder donc une place un peu plus honorable à celui qui va lui succéder à la tête de l'État? Je pense que c'est difficile parce que le président Biya nous a habitués de travailler avec les mêmes personnes, c'est-à-dire travailler avec ses amis, son entourage. Et s'il y avait peut-être un vent de mou de sa politique, c'est qu'il ne change pas. Il travaille avec le même système, il ne change pas les disquettes. Et cette élection, je ne suis pas sûr
que ça lui permettra de changer, même s'il est favori, comme on le dit, parce qu'il peut toujours la gagner. Je ne suis pas sûr qu'il va tendre la main à la jeunesse, parce que le président Biya, il faut le dire, entre guillemets, n'a pas totalement confiance à la jeunesse. Mais je pense qu'avec les forces en présence, il devra tenir compte des résultats, des chiffres, et puis de la montée en puissance des jeunes et de la jeunesse, et puis des candidatures. Vous avez eu les candidatures, il y a 3 candidatures qui nous viennent peut-être de la zone anglophone. Donc il y a eu un bouleversement de la scène politique. Je pense que s'il gagne les élections, il doit redistribuer les cartes et tenir compte de son âge et des. L'aspiration des Camerounais au changement. C'est très important parce que le dire, ce n'est pas être contre lui ou de ne pas l'aimer, mais il faut tenir compte de la conjoncture, des réalités historiques. Quand vous faites l'histoire politique, vous voyez que le monde a évolué. L'Angleterre a commencé avec la Magna Carta en 1215, la France, tous ces pays, la guerre des Six Nations aux États-Unis ont connu des changements. À un certain moment, le changement devient obligatoire et incontournable. Donc, le Cameroun arrive à la croisée des chemins, arrive à la croisée des chemins. Même si le président Paul Biya gagne, il sera celui qui va conduire ce changement et peut-être même ouvrir des vannes aux jeunes Camerounais. À ce moment-là, le changement de président de la République en l'état actuel des choses, c'est donc un faux débat au Cameroun, Henri Toupendi? Non, au contraire. Parce que, en réalité, si vous vous souvenez de la déclaration du président Biya lorsque François Hollande lui a rendu visite, c'était, si je ne me trompe, la première fois qu'officiellement on lui posait le problème de sa succession. Et il a donné une réponse assez complexe en disant que il verra le moment venu, parce qu'il était encore 2, 3 ans de la fin de son mandat. S'il sent qu'il peut se reposer, il le fera. Mais s'il arrive et qu'il est à continuer, il devra continuer. Mais je pense que s'il a décidé de continuer, ce n'est plus un don de soi, c'est plutôt un sacrifice de soi. Parce qu'il aurait pu aller se reposer. Compte tenu de l'ambiance, de l'atmosphère, de l'environnement, de la situation que traverse le pays, qu'il ait décidé de rester est une façon d'assumer et de donner sa vie à ce pays. Les gens sont très superficiels dans les analyses. Aujourd'hui, la situation du Cameroun est telle que, même sur le plan international, les dirigeants des autres pays n'ont pas le temps d'avoir un président au Cameroun qui apprend. Parce que si vous voyez au golfe de Guinée, nous abritons le siège de la sécurité de la région. Au niveau de l'OUA, il y a une base d'intervention qui devrait, de l'Union africaine, il y a une base d'intervention qui devrait être installée de prévention à Douala. Et au niveau de Boko Haram, on fait partie d'un système international qui s'est mis sur place pour combattre la situation. Donc actuellement, le poids du président Biya, la connaissance et la maîtrise des dossiers est tel que il est le moindre mal. Donc le sacrifice qu'il a donné de sa personne et dire je vais être encore candidat, ça c'est un don extraordinaire et vous savez que le don de soi est une condition de la vertu. Ensuite maintenant, si nous voyons ce qu'il fera après, parce que ça va être l'engagement, l'amorce de la transition. Le professeur a dit tout à l'heure qu'il ne travaille pas beaucoup avec les jeunes, c'est vrai. Mais comment fera-t-il? Et quelque part, en renvoyant les élections législatives et municipales en 2019, il a créé les conditions du changement. Il a créé les conditions pour ceux qui veulent entrer au pouvoir par le sommet, n'ayant aucun candidat ou n'ayant aucun député, à se préparer. Parce que lorsqu'il va passer, le peuple peut trouver un moyen de régler le compte au niveau des législatives. C'est là que les Camto pourront faire des rats de marée. S'ils sont des politiciens intelligents, c'est plutôt les élections de l'année 2019 qui devront vraiment dessiner le changement au Cameroun et la transition. Donc, je crois que quel que soit le cas, le président a dans sa tête cette transition et je souhaite, comme le professeur l'a dit, qu'il tienne compte de la masse des jeunes qui montent et de, si vous voyez au Canada, le premier ministre n'a pas la quarantaine. Si vous allez au Danemark, un peu partout, il y a. Et bientôt en Côte Eh d'Ivoire. bien, voilà. Donc, il y a cette tendance. C'est l'ère du temps. Donc, quel que soit le cas, je ne pense pas que le président Biya pourra échapper à Docteur ça. Soussane Efouba, avant Denis Ongba, je voudrais qu'on évoque en quelques mots la question de la candidature unique de l'opposition. C'est encore possible?
C'est difficile parce que le Cameroun est trop individualiste, je ne vais pas dire égoïste. Le Camerounais n'accepte pas de partager. C'est même pour ça qu'on a des problèmes au Cameroun, parce qu'il y a comme l'émiettement de notre opinion. On ne s'entend pas sur les causes nationales, c'est-à-dire, on appelle ça en sens le consensus négatif. On n'est pas du même bord politique, mais on partage des valeurs. Au Cameroun, ce n'est pas ça, c'est l'individualisme. Et chacun se voit être président. Donc, il y a ce qui, une dimension Mais iconoclaste. tous les discours qui ressortissent de ces candidats-là aujourd'hui, même au sortir de la proclamation des résultats, c'est que les débats vont bon train. C'est vrai que le Gaga Amanadji est là pour un rôle qu'on ne lui Et prête pas lui est toujours gaga. et qui soit clair. Joshua aussi s'est dit que c'est lui qui a naturellement le mouvement. Il lui appartient un certain nombre de paternités par rapport à l'occupation de l'espèce des territoires écologiques qui est donc imaginaire au Cameroun. Akair Mouna est le principal candidat de l'ère, je veux dire, anglophone. Est-ce que autour de cela, on ne peut pas construire quelque chose en tenant compte de ce que Kaba Libi et même Espoir Serge Matomba peuvent être là, tantôt pour appuyer l'accord, tantôt pour appuyer le désaccord? Ce n'est pas possible parce que, voyez-vous, la fonction présidentielle dégage un prestige et l'aura. Ces gens-là, il y a peut-être que Cabral Libi qui se bat, qui dit qu'il attend peut-être les primaires de l'opposition. Personne, comme tu vous as dit, qui ne croit pas à ça. Et que ce n'est pas une vertu scientifique que quand l'opposition va se regrouper, elle va gagner les élections. Donc, il ne croit pas à ça. Joshua dit qu'il est le leader de l'opposition. Il a un statut de l'opposition au regard de ses représentants à l'Assemblée nationale, disons au Parlement et dans les conseils municipaux. Il ne croit pas. Les gens doivent aller vers lui. Tous les autres ne croient pas. Le président Garga, puis vous savez, Garga, c'est la déception du Cameroun. Il aurait pu reconstruire la fonction publique camerounaise. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, de lutter contre le personnel fictif, je pense qu'il y a des années, il avait vu ça. Et c'est un bon administrateur, mais il n'est pas un bon politicien. Il est obligé de se ranger, du moins du côté du président de la République. Quand on voit les résultats, sa sympathie au palais, lorsque le résultat par le chef de l'État. Donc je pense qu'il est difficile. Ce n'est pas aujourd'hui. C'est pas, il s'est fait tard. Il est difficile qu'on ait un candidat, une candidature de l'opposition, qu'on ait une coalition, ou alors une alliance, parce que les opinions sont divergentes, les intérêts sont divergents. Voyez-vous, le Cameroun est dangereux parce que la politique, c'est la dualité, ne sort pas là. Il y a ceux qui, dans la nuit, vont dîner avec le parti au pouvoir. Il y a ceux qui, en journée, disent qu'ils ne sont pas avec le parti au pouvoir. Et ça devient très difficile. Denis Ongba, est-ce que sur ce coup-là, il n'y a que Adam Ndjamvya qui manifestement serait d'accord pour une candidature unique de l'opposition? Non, c'est une idée partagée par la plupart des candidats de l'opposition, mais le débat se trouve au niveau de sa concrétisation. Et comme le docteur dit, les égos et les positionnements politiques et idéologiques sont si éloignés qu'on se demande comment les rapprocher. Cabral convoque effectivement les primaires, mais voyez-vous, Akere Mouna, d'ailleurs, vous avez oublié de signaler que M. Kamto s'appelle le tireur de pénalty, comme pour dire que s'il faut organiser ce match, c'est à lui qu'il faudra confier le ballon. Ça coince dans le débat et ça nous renvoie effectivement vers les tentatives échouées des années antérieures. Et ensuite, je crois que je ne suis pas totalement fondé à penser que c'est une candidature unique de l'opposition qui battra M. Biya. Je pense qu'il faut affûter des projets de société, des projets politiques. Il faut que les candidats arrivent effectivement à construire une trajectoire vers la présidentielle. Vous voyez, ces débats-là ne se tiennent qu'à 6 mois, à 1 an de la présidentielle. On ne voit pas les partis mettre en place une batterie objective, des projets qui sont alternatifs, qui visent effectivement, dans les 5, 6 prochaines années, construire ce type de projet. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire en 1 an, à 6 mois, avec parfois des candidats qui ne se découvrent que quelques mois avant la présidentielle? C'est totalement difficile. Et lorsqu'on voit également le contexte politique, comme on l'a évoqué au début de cette émission, qui est lui-même assez mouvant, assez lié aux questions de bastions politiques et tout ça, vous voyez, ça devient difficile de mettre ensemble des gens comme ceux-là qui parfois portent des aspirations qui viennent des régions bien précises de notre pays. Donc, je crois malheureusement que même s'il y a des gens qui ont de très bonnes intentions à l'idée de penser qu'on pourrait effectivement avoir un candidat unique, que cela soit difficile. Autre chose, c'est la faiblesse du corps électoral. Parce que si le corps électoral avait ouvert la porte à un second tour, peut-être que ce type d'alternative aurait prospéré dans le cadre d'un second tour, effectivement, où les alliances auraient pu se construire,
pour challenger M. Biya, mais dans le cas d'espèce, on ne voit pas comment, dans les quelques semaines qui nous restent, pourra émerger quelque chose de cohérent au sein des différents candidats de l'opposition. Allez, il nous reste très peu de temps, quelques secondes à passer ensemble sur ce plateau à l'occasion de cette émission spéciale. Je voudrais que chacun dise un mot en 30 secondes hein, sur la suite qu'il envisage de cette campagne électorale. Oui, je pense que la campagne électorale sera très engagée. Il y aura des coups à travers le fanatisme politique. Je souhaite que nous restions dans le cadre de la légalité et que nous soyons polis et vertueux dans la démarche de la campagne et que après la campagne, que nous acceptions les résultats, quelle que soit la forme de ces résultats, pour qu'il n'y ait pas de problème dans notre pays. Henri Tupendi, c'est la justification qui va meubler la campagne, selon vous, en termes de thèmes? Je crois que nous attendons le discours inaugural des candidats. Je sais que le président Biya va sortir encore incorrigé parce qu'il a toujours des expressions qu'il porte. Et quand il va faire son discours inaugural, ça risque d'être quelque chose de costaud. Kamto va faire un discours trop intellectuel. Comme disait le professeur tout à l'heure, quand il parle, je me demande s'il parle au Camerounais moyen. Parce qu'il ne peut pas descendre plus bas que ce qu'il est. Donc, bon, les gargas vont faire ce qu'ils vont faire au cas où ils continuent jusqu'au bout. Et c'est tout ce que je peux dire. Ça sera. On peut envisager des alliances, hein, des Nyongba. Je pense que la bataille sera rude au niveau de la redéfinition, je veux dire, des positionnements après le candidat Biya. Je crois que politiquement et objectivement, il s'agira de voir est-ce que le SDF restera la seconde force politique, quelle sera la position de M. Kamto, ou alors, je parle là en tant que jeune et en tant que quelqu'un qui aspire au changement, est-ce que Cabral va faire bouger les lignes pour devenir la seconde force politique au cours de cette élection? Je crois que, et la crainte que j'ai, c'est effectivement qu'on descende, que les boules puantes polluent cette élection, qu'effectivement les débats soient supplantés, c'est-à-dire que l'enjeu dépasse le jeu. Il faut effectivement éviter que dans cette bataille-là, qui a déjà commencé, parce qu'on a bien vu que Joshua aussi a commencé à donner des coups de poing assez durs à M. Kamto, on risque de progresser vers ce type de combat qui risque donc de diluer malheureusement les projets de société. Très bien. Docteur Sosten Efouba est politologue enseignant à l'université de Yaoundé 2, c'est à soi. Merci infiniment d'être venu sur notre plateau. On vous appelait, hein, pratiquement le pied levé pour contribuer à ce débat à l'occasion de ce plateau spécial. Merci à vous, Denis Ongba. Vous êtes un analyste et d'ailleurs chercheur dans les universités camerounaises. Merci Henri Tupendi qui a une carrière bien pleine, bien faite sur le plan des relations internationales. Lui aussi s'occupe à l'analyse des questions électorales et même politiques en général. Merci à vous tous d'être venus sur ce plateau à l'occasion de cette émission socialisée tantôt. Et je voudrais dire infiniment merci à nos téléspectateurs qui nous ont suivis de bout à bout en leur donnant rendez-vous pour très bientôt, en disant également que maintenant que les choses sont en train d'avancer, eh bien, Canal 2 sera toujours là à l'occasion de ces événements, de ces segments en termes donc de processus électoral. Question de vous accompagner et de vous permettre, vous, de comprendre en termes de décryptage. Ce sera ainsi très habituellement désormais. Bonsoir.